On le sait, la Skoda Octavia a toujours été un véhicule spacieux, rationnel, bref, une familiale idéale. On va voir si c'est toujours le cas avec la toute dernière génération du modèle. Vous pouvez retrouver l'essai détaillé de cette Skoda Octavia dans l'édition papier du Moniteur Automobile, c'est le numéro 1735. Vous retrouverez également l'essai sur le site internet moniteurautomobile.be. Sur le site, vous retrouverez également les essais vidéo de cette Skoda et d'autres voitures, des essais que vous retrouverez également sur la chaîne YouTube du Moniteur Automobile. Et maintenant, on va aller voir Olivier pour l'essai de cette Skoda Octavia. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Alors, dis-nous un petit peu extérieurement, qu'est-ce qui change sur cette nouvelle Skoda Octavia? Alors, d'abord, ce qui ne change pas, c'est bien une Octavia, ça se reconnaît directement, ne fût-ce que par la forme du museau et de la calandre. On remarquera que Skoda est revenu au bloc unique pour les feux avant, alors qu'il avait tenté les doubles blocs pour la génération précédente. Mais sinon, on a une voiture qui reste classique, mais élégante. Il y a quand même un travail très stylistique, puisqu'on voit des plis sur la carrosserie, sur le capot, et on voit une ligne de toit fouillante. Celui-ci, c'est le break. On voit que le toit descend tout doucement, et ça permet de donner un peu plus de dynamisme à cette voiture, qui a d'ailleurs un très bon CX, un très bon aérodynamisme. Et au niveau du gabarit, est-ce qu'elle a grossi par rapport à la dernière génération? Elle a pris quelques millimètres par-ci, par-là, mais globalement, elle a le même gabarit que la génération précédente. Elle a également un empattement relativement important, 2,69 m, ce qui permet aux passagers d'avoir pas mal d'espace dans la voiture. C'est d'ailleurs un de ses points forts à l'Octavia, c'est que c'est une voiture familiale qui peut accueillir très confortablement les personnes à bord. Est-ce qu'elle existe toujours en berline aussi? Elle existe toujours en berline, mais la berline, c'est une 5 portes, c'est-à-dire qu'à l'arrière, c'est un haillon. Ici, on a la break, donc avec le coffre un peu plus droit, mais sur la berline, c'est un haillon, donc c'est une 5 portes. Et d'ailleurs, au niveau du coffre, qu'on peut aller voir si tu veux, aller voir le coffre. La berline a 600 litres, ce qui est déjà pas mal, et le break fait beaucoup mieux avec 640 litres. Eh bien, on va aller voir ça. Tu vas nous montrer ça. Voilà, alors cette version-ci a un coffre qui s'ouvre avec un haillon électrique. C'est beaucoup plus simple. On peut voir que le coffre est quand même assez volumineux. On est chez Skoda, on a des petites choses pratiques. Par exemple, le couvre-bagages qui se replie directement, automatiquement. On a des bacs pour le rangement. Et puis, on a des choses quand même assez sympathiques. On a ce qu'on retrouve de plus en plus souvent maintenant, le rabattement des sièges directement depuis l'intérieur du coffre. On voit que ce n'est pas tout à fait plat. Mais le coffre est quand même assez pratique et assez simple et on peut facilement mettre un vélo dedans sans trop de difficultés. On a notamment le caoutchouc de protection. Si on regarde, il y a la vraie roue de secours. Une vraie roue de secours. Pas une galette et pas non plus une bombe. Et cette série, oui. Un des petits gadgets que Skoda adore, c'est le grattoir qui a son petit logement spécifique dans la trappe à carburant. Donc, c'est très pratique le matin quand il faut gratter. On ne doit pas chercher son grattoir. On sait où il est, à condition de le ranger à chaque fois, évidemment. Alors, plus fort dans l'Octavia, si vous avez une Skoda, vous savez qu'il y a moyen d'avoir des parapluies dans les portières. Mais ici, on peut, à la place, ils nous ont mis une brosse pour enlever la neige. Alors, toujours dans les aspects pratiques à l'extérieur, les rails de toit sur le break ici permettent de facilement installer un coffre de toit, donc c'est avec un système quand même qui est plutôt universel. Et en option, on a ici également le toit panoramique, voilà, qui permet d'ajouter un peu plus de lumière dans l'habitacle. Et lorsqu'on est en voyage, les passagers peuvent admirer le paysage, surtout en montagne, via le toit. Super. Donc voilà, mais ça, on voit quand même que c'est une voiture qui est à la fois élégante, chic et surtout pratique. Ça, c'est vraiment le point fort de l'Octavia. Okay. On va aller voir l'intérieur. On va aller voir l'intérieur. Alors Olivier, ici on est donc à l'intérieur de la voiture. C'est vrai que s'ils ont fait un effort sur le design et la finition, qu'est-ce que tu penses? Oui, ben on voit quand même que la voiture est soignée. Hein. On peut dire qu'il y a du soin, on choisit des matériaux. Bon, évidemment, on est dans un niveau de finition un petit peu plus élevé puisque la version de base n'est pas encore disponible. Mais on a quand même un travail sur les matériaux, sur la finition, c'est bien assemblé, c'est agréable. Et alors, on a évidemment tout le système numérique, puisque la voiture a une nouvelle architecture électronique. Et donc, on passe au tout numérique, y compris pour le tableau de bord derrière le volant. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut personnaliser. Les inconvénients, c'est qu'il faut quand même souvent mettre les mains sur l'écran. Et quand on conduit, c'est pas toujours évident. Alors, les boutons, c'est plus simple. On connaît la position à force de l'utiliser.
Par exemple, on a un bouton pour la clim, voilà. Et après, il faut passer par l'écran. Heureusement, le digivrage peut s'activer sur les boutons. On a aussi l'aide au parking qui est sur un bouton directement, mais après, il faut encore un petit peu chipoter sur l'écran. Donc, ça détourne un peu le regard de la route. Donc, il faut être attentif et prudent avec ça. Alors, on a aussi l'affichage tête haute, justement. Donc, ça permet aussi de garder contact sur la route quand on veut surveiller sa vitesse ou quelques fonctions de la voiture. Et au niveau des rangements, on voit qu'il y a pas mal de... On est dans une Skoda déjà, donc en principe, ça doit être prévu. Il y a 27 bacs de rangement dans la voiture, donc on peut quand même mettre ses affaires un peu partout, à l'avant comme à l'arrière. Il faut savoir qu'il y a de la place, hein. Donc les passagers arrière ne sont pas punis, hein. Ils ont de la place, ils ont tout ce qu'il faut. On peut installer facilement des écrans à l'arrière pour les enfants aussi. Alors juste un petit bémol dans cette finition-ci, la couleur claire. Ici, on a des enfants en bas âge ou des animaux, évidemment. C'est à proscrire, ils vont mieux choisir un cuir un peu plus foncé, évidemment. Mais bon, pour le reste, on voit que la voiture est quand même agréable. En parlant des sièges, ceux-ci sont vraiment très sympas. C'est une option, j'imagine. Oui, c'est une option qu'on peut conseiller, notamment si on fait souvent des longues routes. C'est le siège ergonomique. Voilà, ça va permettre de fatiguer moins vite lorsqu'on doit faire des longs trajets. Et puis on voit que sur l'écran, évidemment, on a parlé de la charge par induction, mais on peut aussi brancher son téléphone pour le dupliquer via Apple CarPlay ou Android Auto. Et donc, on a différentes fonctions. Là, il fonctionne simplement avec le Bluetooth et on voit quand même qu'on a énormément de possibilités. Voilà. Comme tous les écrans, en fait, il faut un peu les apprendre. Il faut s'habituer. Voilà. C'est un peu plus compliqué que des boutons. Mais après, voilà, c'est une question d'habitude et de goût. Et alors, il faut aussi savoir qu'il y a également des commandes au volant, dont le volant chauffant, la commande vocale, la commande de certaines aides à la conduite, et évidemment la commande de la musique où on peut faire fonctionner la musique, changer de son, etc. Et le cruise control se trouve derrière le volant. Et alors, pour les boîtes automatiques, on a aussi la possibilité de palettes. Voilà. Et les commodos, c'est des commodos classiques. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Tu parlais tout à l'heure des longs trajets, des sièges ergonomiques qui sont sympathiques. Et à l'arrière, je pense qu'il y a aussi un système d'accoudoir pour un peu pour. Oui, c'est pas vraiment des accoudoirs, c'est plutôt une sorte d'appui-tête. D'appui-tête, voilà. C'est donc deux systèmes qu'on peut enlever dans le siège et qui permet, enfin, plutôt, c'est deux supports qu'on retire de l'appui-tête, qui permet de poser la tête et donc de se reposer. Donc, si on veut dormir dans la Skoda, on peut. À l'arrière, hein, parce qu'à l'avant, évidemment, surtout à la position du conducteur, on ne le fait pas. Mais si on veut dormir à l'arrière, on peut poser sa tête. Et en plus, c'est fourni avec une couverture qui peut s'attacher sur le siège à l'arrière du siège avant. Et donc, on a la couverture qui va avec le petit oreiller pour pouvoir dormir tranquillement à l'arrière. Comme en business class. Quoi. Voilà, comme en business class. Voilà. Super. Alors Olivier, qu'est-ce qu'il y a sous le capot de cette nouvelle Octavia ? Alors sur cette Octavia-ci, c'est un 2 litres TDI, donc diesel de 150 chevaux. Alors on voit qu'il y a toujours le Simply Clever, la partie pratique de Skoda. Ah oui, une petite astuce, voilà, pour ne pas renverser le liquide de lave-glace partout dans le moteur et pour ne rien perdre de son bidon. On a un système d'entonnoir intégré directement. Pratique. Voilà, très pratique. Alors là, tu parles d'un moteur diesel, mais j'imagine qu'il y a aussi des moteurs à essence encore. Oui, il y a toujours des moteurs à essence. Voilà. Donc, le choix est... Ce sont des moteurs connus puisqu'on les retrouve dans tous les modèles du groupe Volkswagen. Donc on a du TDI de 115, 150 chevaux. On a également des moteurs essence avec boîte manuelle ou boîte automatique. Et alors on a aussi par exemple un moteur essence micro-hybride, donc avec le système 48 volts pour réduire un peu la consommation et donc baisser le CO2. Est-ce qu'il y a des hybrides plug-in ? Oui, il y a également les hybrides plug-in. Il y a ce qu'on appelle les IV chez Skoda, donc IV. Sont des hybrides rechargeables. Ça permet d'avoir des voitures à 204 chevaux et également d'avoir des voitures un peu plus sportives. Et puisque Skoda va mettre une solution hybride dans une sportive, tu connais le nom de la sportive, je sais pas. La RS. Voilà, l'Octavia. Elle va devenir hybride. Elle va devenir hybride à 245 chevaux. Mais que les puristes ne s'inquiètent pas, il y aura toujours une RS. Normalement 100% thermique, mais elle n'a pas encore été confirmée au niveau des spécifications. On ne connaît pas la puissance non plus. Non, pas mais encore. Normalement, ça devrait être plus ou moins ce qu'on retrouve dans la Golf R. Donc, il y aura moyen de rouler en RS sans forcément devoir charger les batteries de la formule hybride.
En parlant des carburants alternatifs, on sait que le groupe Volkswagen a plusieurs modèles fonctionnant gaz naturel, CNG. Est-ce que c'est le cas sur cette nouvelle Octavia ? Oui, l'Octavia a aussi une solution CNG de 130 chevaux. Alors comme c'est une solution d'usine, les réservoirs sont mis de manière intelligente pour éviter de trop prendre d'espace dans le coffre. Et ce sont des systèmes où la voiture roule quasiment à 95-98% du temps au gaz naturel. Il y a un petit réservoir d'essence de réserve au cas où. Mais le but, c'est de rouler d'abord au gaz. Et au niveau des versions purement électriques, est-ce que c'est prévu ? Alors, pas pour l'Octavia. Pour l'instant, il n'y a pas encore de... Enfin, du moins pour l'instant, parce que ça peut changer. Mais pour l'instant, il n'est pas prévu d'avoir une Octavia électrique. Surtout qu'on sait qu'au sein du groupe Volkswagen, on se dirige plus vers des modèles spécifiquement développés pour la motorisation électrique et pas des moteurs électriques qu'on grefferait sur des modèles existants. Voilà. OK, merci. Olivier, donc cette Skoda Octavia, elle laisse, je crois qu'il y a beaucoup de choix de suspension différents. Oui, on a différents choix. On a le standard, évidemment. Puis on a aussi une option sport où la suspension est abaissée de 15 mm. On a la fonction avec suspension dynamique, où là, vous avez un châssis abaissé de 10 mm avec un système où on peut choisir le mode de conduite. Adaptatif, oui. Là. Mais il ne joue pas que sur la suspension, il joue sur d'autres éléments. Et puis, on aura aussi la Scoot qui, elle, est 15 mm plus haut parce qu'elle est plus orientée tout chemin. C'est un mélange entre un break et un crossover. Ben, voilà, on est déjà tout doucement vers le SUV à ce moment. Voilà. Et ici, donc, on a une suspension pilotée sur cet exemplaire-ci. La DCC, oui. Avec donc plusieurs modes de... Voilà, là, on l'a mise en mode confort, donc qui est un mode où tout est très souple. La direction est très souple. Ce n'est pas avec ça qu'on va être précis dans les virages, mais c'est facile à conduire. Ça se laisse aller, on est tranquille. C'est plutôt pour les longs trajets. On a aussi le mode éco. Si là, on veut plus faire attention à sa consommation, alors ça va jouer sur la suspension qui va être vraiment souple, mais également sur l'accélération qui sera beaucoup plus douce. Et le moteur va changer les rapports beaucoup plus rapidement, de manière à rester avec le meilleur rendement énergétique pour diminuer la consommation. On a le mode normal qui est un compromis entre tous les modes. On a le mode sport qui, lui, il sera beaucoup plus... Tout est plus ferme. La suspension plus ferme, on l'entend d'ailleurs quand on passe sur les bosses ici. La direction plus précise aussi, beaucoup plus ferme. Et l'accélérateur beaucoup plus réactif, qui permet d'avoir des accélérations plus franches. Évidemment, ça, on joue sur la consommation. Et puis, on peut programmer son propre mode de conduite dans les options, mais ça, on peut pas le faire en conduisant, mais on peut donc choisir d'avoir un accélérateur souple mais une direction ferme et une suspension ferme par exemple, ou l'inverse. Donc c'est une option qui est quand même à conseiller selon toi, on peut choisir un peu comme ça. Si on a la possibilité de la prendre, oui, c'est une option à conseiller parce que l'avantage c'est qu'on peut, surtout s'il y a plusieurs conducteurs dans la voiture, chacun peut s'adapter à son style et c'est pratique aussi si on fait des longs trajets parce qu'on peut choisir pour un mode plus ou moins qu'un autre et quand on quitte la ville on peut passer en sport et puis on revient en normal ou en confort ou en éco quand on rentre dans la ville. Donc ça c'est au choix. Voilà. Ok, d'accord, merci. Alors Olivier, ce break familial, ça coûte combien ? Alors là, tel qu'il est là, il coûte 31 000 euros avec sa version Ambition. C'est le modèle d'entrée de gamme pour l'instant chez Skoda. Et en berline, 30 000 euros. Je vois que tu hoches de la tête, c'est cher. Alors, si on compare avec, dans le groupe Volkswagen, le modèle qui a plus ou moins la même taille, la même gabarit, plus ou moins les mêmes équipements, le moins cher, c'est plus Skoda, ça c'est fini. Le moins cher maintenant, c'est Seat. Si on prend la Seat Leon, on aura plus ou moins la même chose pour... quelques milliers d'euros en moins, sauf qu'on n'aura pas les petits aspects pratiques de la Skoda, mais au niveau taille et au niveau comportement, ce sera très similaire. Mais donc ici, tu dis un gros 30 000 euros, mais ça, c'est pour une version qui a déjà beaucoup d'équipements. Oui. C'est pas la version de base, elle n'existe pas encore, c'est ça ? Non, elle n'existe pas encore, donc on attend normalement une version de base qui sera un peu moins chère, mais normalement, la Seat sera quand même un peu plus avantageuse à ce niveau-là. Mais bon, malgré tout, ça reste une voiture élégante, pratique, qui offre tout de même un bon rapport qualité-prix, parce qu'on sait, chez Skoda, on utilise souvent des technologies qui ont déjà bien été utilisées par les autres marques du groupe. Donc la voiture ne devrait pas poser problème. Les mêmes que chez Volkswagen, d'ailleurs. Les mêmes que chez Volkswagen, et souvent Volkswagen essaie d'abord, et puis Skoda et Seat récupèrent après. Et donc ça reste une voiture qui est intéressante, ça reste une belle affaire. Et dans quelques années, en occasion, ce sera certainement une voiture qui sera intéressante à la fois à revendre et à acheter, parce que ça reste une voiture confortable, pratique, avec un grand coffre, conçu pour les familles, mais qui peut également convenir à un couple qui voyage beaucoup et qui a besoin de beaucoup d'espace lors de ses déplacements, ou qui a des loisirs encombrants, le vélo, la planche à voile, enfin voilà, donc c'est vraiment un véhicule assez polyvalent. Parfait, merci. Alors Olivier, cette Octavia,
Est-ce que tu la conseilles et à qui la conseillerais-tu ? Ah oui, on peut la conseiller. C'est une belle voiture, elle est pratique, elle est confortable, elle est suffisamment dynamique. Spacieuse. Elle est spacieuse, elle va répondre à la plupart des besoins, tant professionnels que privés d'ailleurs. La seule chose qui pourrait coincer, c'est le budget. Parce que voilà, au sein du groupe, la Seat coûte moins cher que la Skoda. Mais en voiture de société, parce que Skoda est comme une marque qu'on retrouve de plus en plus dans les portefeuilles, en voiture de société, c'est un très bon choix qui va à la fois être très pratique pour l'usage professionnel et également pour ses loisirs privés. Je crois qu'on peut dire que la Skoda Octavia, c'est le bon compromis. C'est un très bon rapport qualité-prix, donc c'est un choix que l'on peut conseiller. Un bon compromis. Merci.